Il y a tout comme balé dans l'Italie. Qu'on a balobi, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Inquiétude de vos maillots. L'inquiétude te conduira à la mort. Inquiétude de vos de sa vie L'inquiétude abîme la ta vie. N'appelle pas, ne déclare pas qu'il y a un sorcier qui t'est dit. Mais détaille c'est l'homme qui l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. La Bible nous montre quelque chose de très précieux, l'inquiétude. L'inquiétude touche à la partie de notre vie en route. L'inquiétude touche tout le composant de la vie de l'homme. L'inquiétude touchera ton corps. Quand tu es en train de toucher, ça va toucher ta santé. Tu vas commencer à maigrir comme si quelqu'un tu es malade. Mais l'inquiétude vous est ça. Mais c'est l'inquiétude qui travaille en toi. L'inquiétude est un danger pour la vie en route. L'inquiétude, c'est un grand danger dans la vie de quelqu'un. Et quand tu sens mon mimi dans la pharmacie. Ah si ça enrichit le pharmacie. Je suis l'estomac. Je suis en train de souffrir de l'estomac. Et vous dites quand on a l'inquiétude. Ça vient de l'inquiétude. Et matisse attention. Ah, la tension est toujours haute. Ici, ça fait tension. Et les bases. Sauf pour qu'il y a un cimetière au salle de recensement, on le met. Batouba, koufa d'inquiétude, botia moulongo, boulongo, on a pas grand moulaye pour les capacités. Si tu parles au cimetière et tu fais un appel de tous ceux qui sont morts avec l'inquiétude, souci et un danger, ma belle vie en route. Le souci, c'est un grand danger dans la vie d'un homme. Papa, père, maman. Papa et le problème est là comme tu dis. Le problème vient. Mais mon frère, c'est ce qu'on a suscité. Mais ne donne jamais accès aux soucis. Inquiétude est la distraction. L'inquiétude, c'est une grande distraction. Tu vas oublier même le temps de te maquiller. Concentration, tout était un problème. Toute la concentration est orientée vers le problème. On aurait tout bandit et cala que nous t'avons la fiançaille. Donc, on se concentre avec un mariage, dans le Yoncha, et même si on a gagné, c'est tout comme on aurait attiqué. Tu as oublié même de te maquiller parce que l'inquiétude t'a fermé les yeux, tu perds. Le mal à monter maintenant, inquiétude est distraction. L'inquiétude, c'est une distraction. Parle à ton cœur. Et c'est quand on s'occupe de l'icône. Au lieu de t'occuper du problème, toutes les pensées sont figées sur le problème qui te tourmente. Dans 1 Roi chapitre 21, quand tu rentreras chez toi. On va l'histoire du roi Akab. Tu liras l'histoire du roi Akab. Parce qu'on lui a. Il a refusé le champ. N'importe refuse de lui donner son champ. Et puis c'est inquiété. A créé de l'inquiétude. L'inquiétude est digne roi à qui nous l'a. L'inquiétude a poussé le roi à aller dormir. L'inquiétude est comme un homme dans le salon, il y a la tête de l'eau là. L'inquiétude peut te faire partir du salon, tu ne pas dormir. L'inquiétude est comme un homme dans le appétit. L'inquiétude peut te faire. Parce que la Bible dit que le roi n'avait pas mangé. L'inquiétude t'amène au lit à 20h. Papa, on aurait réveillé nos deux là. Papa, on aurait pourquoi tu es allé dormir? Nous autres, on bien. Je ne me sens pas bien. L'inquiétude, c'est une distraction. Akab est un roi. Au lieu de regarder, de se concentrer sur les choses du royaume. Le roi est figé, inquiet à cause de ça. Le roi bagage de l'homme, inquiétude doit être distraction. À partir d'aujourd'hui, inquiétude est une distraction. Pourquoi c'est ici d'abord? Je ne lui donne pas de la place. Inquiétude est un danger pour nous dans la vie à vous. L'inquiétude, c'est un grand danger dans la vie d'un homme. Sans souci. Mais comment ils ont ça, mais la voix d'un amour? Il y a un païen qui est mort, il s'appelle sans souci. Mais toi, chrétien, fils de Dieu, tu l'as dit. C'est lui qui doit être sans souci, c'est nous. Amen.
Le Seigneur a porté mes chaînes, mes familles. C'est nous qui devons être des sens. Mais tu vas voir quelqu'un qui dit, problème est lié. À cause d'un petit problème, il a fui même l'église. Pourquoi tu n'es pas venu? Ah papa, ma camouille, tu me sacs en gawa. Ah papa, il y a des problèmes qui me tourmentent. Ce qui est inquiétude dans la tête de salle tout tondi. Si l'inquiétude n'était pas là, la salle pouvait être pleine. Il y a quelqu'un qui n'est pas avec nous tout seulement parce que. Mais ça, mon nina n'a pas de beau maca. Inquiétude, dis à ton celui qui est à côté de toi, l'inquiétude tue. Yo quand ma langue. Écoute trop bien. Inquiétude de Golongolo et Semoya vie. L'inquiétude affalera le plaisir de la vie que tu peux avoir. J'ai vu beaucoup de gens qui ne rigolent plus. À cause de l'inquiétude. L'inquiétude a poussé beaucoup de gens à ne plus rigoler. Si on a sécurité, si le rigole, c'est comme si ne rigole pas. On dit que tu vois la sécurité. A ce qui nous la sécurité. Il rigole comme si la sécurité. Parce que quand il rigole directement à l'instant de passer la veille, les gars, tu prends ça. Attends, je sais quand même, il y a un gars qui nous a. Je sais pas, je sais pas. Il m'a fait un gars qui nous a. On est quitté. Donc, les gars, c'est quand même. On est quitté. Et c'est vrai qu'il est malade. Inquiétude de ma vie, monsieur Essengo. L'inquiétude de qui, monsieur Essengo, inquiétude de ma vie, monsieur Beauté. C'est l'inquiétude. Éloigne la joie en toi. Il y a des fois que tu vas faller. Bah, Alléluia! 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 Oh! La parcelle que nous avons a été déjà vendue. Papa, qui nous soutenait, il est déjà malade. Comment je vais vivre? L'inquiétude donne l'accès au diable. Tout le suicide est légitime dans la vie de la peau. Mais il y a un problème en casque.
raison pour laquelle ici en Europe il y a autant de suicides, le taux est élevé par rapport en Afrique, là où il y a des gens. Vous avez donné un exemple, Moko. Hier, je vous ai donné un exemple. Compagnie Moïna Faïd. La compagnie est en faillite. Compagnie Moïna Faïd. La compagnie n'est pas. Quand la compagnie s'est suicidée, mais vous avez compagnie, vous avez ça que vous êtes suicidé. Le patron ne se suicide pas. La Moïna Faïd est cadier. L'employé. Ok, le commis suicidé pour l'année. Pourquoi t'es suicidé? Inquiétude de vous dire d'ailleurs le suicide. L'inquiétude te poussera vers le suicide. Oui, la pétrole, mais la pétrole aussi. Tu mets la main. Tu confondras le pétrole avec de l'eau. L'eau est la loi qui vit et la loi qui tombe. La vie, c'est quelque chose de précieux. Parce que tout passera. Chacun de nous, ses élèves, vous dit comment il était il y a 15 ans passé. Parce que c'est une autre personne. Parce que le problème dans la vie passée, la bande de Gonagna, il y a des gens qui sont bons dans la photo, dans la photo, dans la photo, dans la photo. Les autres, il y a un homme, il y a un chien qui a dit, quand on est censé le photo. Le problème est lié à la moto. Non, les problèmes viendront pour tout un chacun de nous. Les problèmes, papa et maman, ils vont dans la communauté. Le problème n'es-tu jamais. Il faut voir comment vous pouvez se comporter dans vos impôts. Il est question de connaître comment se comporter devant le problème. L'homme est au retard et à vous, avant que vous puissiez les amalgames. Demain, nous allons examiner cela avant de terminer. Donc, on va inviter Mme de Gognon sur le livre d'après-midi, tant que vous allez tous ensemble. C'est un grand sujet que nous ne pouvons pas traiter dans 3 jours. Mais le médecin va pester le banan encourageant de vous avoir un problème. Mais Dieu me donne un message de te dire, de t'encourager comment tu dois te comporter devant les problèmes. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous voulons tous ensemble dans la présence de Dieu. C'est le chant que nous avons mis dans le temps d'adoration. Lève-le tous ensemble. Lève-le tous ensemble. Commence à t'observer. Commence à s'auto-regarder. Bana Kumita, mon frère, ma soeur. Commence à te regarder. Comment est-ce que tu gères ta vie? Comment est-ce que tu. Merci pour ma offre. Merci pour ma merveille. Toton Dieu n'a pas eu 5 mises sur la mission. Moni n'a pas eu mon idée. Tikata tana kolo Yesu Kristo opambora makolo nyonso kota kina kati desika ofesi tabuzobi na bisoko bisa bisonga lamu na bandao pambora basali nyonso katika ki musala batika ki bandaku baya kine sikota tana biso pora kupusa musala na yowa wengi deliboso oka nisela bamo kolo bamo pe bakubongisa milulu kolo petika nzambe loboko na yo ezala na moko na moko na buzobi na biso na kombo na Yesu amen. 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 Amen.